interview, vous avez débuté ici avant dans la catégorie 50 cm3. Vous avez acquis également le titre de champion du monde ici à Mende. Ah, pour moi, c'est toujours beaucoup de souvenirs ici. J'ai fait mes premières courses ici, j'ai gagné mon premier Grand Prix ici. Et mon titre mondial, j'ai gagné ici. Après une grosse bagarre dans la dernière journée, donc que des bons souvenirs. Début de saison a bien commencé pour moi. J'ai fait des bonnes courses en championnat du monde. J'occupe la 6e place actuellement avec de belles courses. Je suis en tête du championnat de France. Donc ici c'est une course un peu différente parce que ça compte pour aucun championnat, c'est une course de prestige. Donc il y a tous les meilleurs mondiaux qui sont là et je suis assez serein et détendu. Sur le championnat du monde, c'est des courses qui sont très dures physiquement parce qu'on est 7 à 8 heures sur la moto. Il fait souvent très chaud, on va en Amérique du Sud, en Grèce, en Espagne, au Portugal, un peu partout. Donc c'est vrai que c'est des conditions particulières parce qu'avec tout l'équipement, la moto, il fait super chaud. Donc physique, technique. Parce qu'il faut piloter, être concentré pendant 7 heures et c'est pas évident de savoir tout mettre des ingrédients en même temps, mais c'est primordial si on veut faire un bon résultat. Non, j'ai pas un canadaire caché sur ma moto au cas où. Par contre, mon mécanicien en a un, comme ça tombe en panne, il fait un petit coup de canadaire à la moto, plutôt au pilote. Il y a sûrement plus de 5 à moto de temps en temps. Voilà. Je vais vous montrer.